Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode Europa Universalis 4. Et donc, comme je l'ai dit pour ceux qui suivent, donc pour les 30 qui vont regarder cette vidéo jusque-là, le dernier épisode, c'est ce qui fait aussi que j'arrête la chaîne, le dernier épisode de ma chaîne. Parce que je pense qu'après ça, ben, finex quoi. Donc, voli-volou, on va essayer de faire plaisir. Ben non, c'est pas plaisir vu qu'on les défonce. Donc voilà, on va finir notre petite partie entre guillemets à la cool. Là, Finir hop. l'Arabie, moi. Voilà, moi je ramène mes troupes. Merde, faut que je pense à choper Chypre. Bataille de Bax. Oh, il a pris cher. Il a pris cher, le pauvre. J'ai staco-épé une armée lituanienne. Allez, je me casse. Je vais me planquer par là-bas. Et dans mes armées. Mais c'est vrai que ça, j'avais jamais remarqué cette histoire de partage de monopole. Mais c'est une tuerie, quoi. T'as le truc, t'as ton mercantilisme qui monte tout seul, tu te gaves de fric, tout le monde il est content. Établir les régimes d'élite, c'est quoi? Ouf, non, sans branle, j'oublie toujours de le faire, ça. Ah, j'ai beau rassurer des Portugais apparemment. Portugais? Ouais, parce qu'apparemment ils recherchent le roi du prêtre Jean, un truc comme ça, les mecs. Allez, est-ce que je vais réussir à arriver avant? Eh putain, je suis arrivé pile avant. Pauvre Mamelouk. Eh, c'est bon, on va sniper le Syrien. Ah ben, on s'est fait défoncer le cul. Mais ils me lâchent un peu, les Lituaniens, là? Non. Bien, tu lâcheras jamais, mon Kentor. Elle est où, ma quatrième armée? Ah bah, ben, elle est là. Akyonlu, donne-moi ta province, donne-moi toutes tes thunes. Voilà, le shift, il fonctionne plus. Si. Les saints de Grèce septentrionale, agitation locale, non, non. Voilà. Arzurum. Ah tiens, un copte. Erzurum, c'est un de tes lieux saints ou pas? Ouais, mais bon, c'est pas grave, honnêtement, je veux dire, vu que c'est loin, je vais pas y aller. Oui, c'est. Ouais. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est comme ça la bonne religion, t'as pas de malus ou ça t'apporte pas quelque chose ou faut que tu le Ah non, contrôles pour ça? faut vraiment que je le contrôle, hein. Ah. Bon, bah, ce sera bientôt plus copte. Mais qu'est-ce qu'il fout le Mamelouk avec sa flotte à la con chez moi, quoi, mais. Une idée? Il est un peu con, ce coup, hein. D'où j'ai une bataille navale perdue. Ah oui, c'est normal, c'est ma flotte de commerce. Trajectoire Le vaisseau suivant. m'amiral Amluk coulait. Ah, moi, ouais, plouf. C'est à peu près ça. Ces bandes de cons, ils passent leur temps à je te siège à droite, je te siège à gauche, je te siège à droite, je te siège à gauche. Ouais, mais ils font ça depuis tout à l'heure. Moi aussi, ils l'ont fait. Hein. Ah, par contre, c'est vrai que si j'augmente mes. Ah, voilà, j'augmente mes galères de niveau, ça va être pas mal ça. Hop, on va choper Chypre. Voilà, là on est bien. Le siège là-bas. Ah ouais. Là-bas, c'est bon. Donc, il y a une guerre, c'est quoi? Contre Novgorod, Lituanie, Stettin. C'est où Stettin? C'est là-haut. Donc, Moscovie, Bosnie, Circassie, Ottoman, Pskov, Riazan, Syrie. Je pense que je vais prendre cette armée là, direction Stettin. Voilà, on va siéger Stettin, on va le dégager de la guerre. En tout cas, c'est vrai que ça fait un espèce de putain de gros bilisme de développement là, cette histoire de piller le développement.
On sent quand même vraiment l'effet boule de neige, parce que plus je gagne de guerre, plus je prends du pognon. Le pognon, j'investis dans les bâtiments. Ah mais c'est ça, hein, c'est... Est-ce que j'arrive à attendre à ça? Oh, je vais peut-être... Ah, je vais peut-être perdre cette bataille. J'ai perdu la bataille, mais j'arrive avec les renforts, et je pense que je vais me faire baiser. On va peut-être dû mettre 3 armées. Ah oh bah j'ai perdu. Bon, 2 batailles de perdu. Ah, c'est pas grave. C'est ce qu'on dit, hein. Il n'était pas eu de retrouver. Exactement. Donc voilà, ce pauvre. Il a converti une de ses provinces à l'argent copte. Mais quel miracle! Ah, mon armée est arrivée à Stettin. Ils ont traversé tout le truc pour aller défoncer Stettin. Donc, passons déjà. Pas grave, le Mamelouk. Fais-toi plaisir, le Mamelouk. Elles sont mes armées. On va en envoyer donc une ici, une là-bas. Hop. Novgorod qui est en train de massiger ma province. Tu fais non mais dites-moi pas que c'est pas vrai Novgorod. Oh, qu'est-ce qu'il vient de foutre là? Bah ben, c'est l'objectif de guerre sur la bataille ennemie. Mais quand même, les mecs sérieusement Novgorod. T'as pas envie de défendre ton territoire Novgorod ou de me casser les couilles? C'est comme ça, hein. Hop, on met les deux armées, on va aller taper Damas et tout, là ça va rôter du sang, j'ai dit. Moi bah, j'arrive à 32 000 hommes contre ces 19 000 hommes, là on va se venger de ce qu'il m'a mis sur la gueule. Ouais, j'ai rasé sa flotte, il va comprendre les choses différemment. Pays où pratique la foi orthodoxe, ça c'est une bonne nouvelle. Le siège de Chypre, ça c'est une bonne nouvelle aussi. Tac tac. Coucou. Atsunoko, un diplomate de retour. C'est moi, je vais vous massacrer. Edda, ok, on arrive là-bas. Chypre est pris, donc c'est-à-dire que si Chypre est pris... Non, on prend l'armée de Chypre, on va l'envoyer... Non. On va l'envoyer là-bas. Là, hop, hop, là, hop. Je suis pas subtil. Non, confirme. T'as pensé quoi les trous du cul? C'est prouvé scientifiquement, t'es autant subtil qu'une paire de Rangers. Je vais le prendre de manière... Pourquoi je le prends en fait? Bon, je veux dire que je le prends bien. Je le prends bien. ma flotte... Dire, c'est presque plaisant. Goza. Bah, qu'on me dise que je suis pas subtil. Ah oui, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est le résultat qui compte. Après... Non mais oui, mais non, mais ça manque de finesse. Ouais, mais je t'emmerde. Bon, d'accord. Voilà, j'ai mes 3 armées. Là, c'est maintenant, j'ai 3 armées pour envahir l'Egypte, donc ça devrait passer. Ouais. Elle est plus qu'alliée que faisant, d'accord. Tous ses potes l'ont lâché en mode, non mais moi je casse. Hein. Grave. Genre, non mais ça craint trop, hein. moi je pars. Hein. Ah mais là on se fait défoncer. Ouais mais non en fait tu comprends, ça va pas être possible. Non je pense que ouais je vais essayer de prendre tout ce qui est par là, je prends tous les territoires à l'autre et je me fais peut-être jusqu'à Ouage, histoire d'avoir le
Le jazz. Et je relibère le jazz qui n'existe plus, je t'en fais un. Et voilà, mais on fait la. J'ai le jazz. C'est, il est déjà le, là le jazz. Il est où? Donc, va ah merde. Ouais, merde. Ah oui. Ah bah, ben, tu vas récupérer du territoire, je pense. Prends-toi les trucs en priorité, hein. Bon, de toute façon, comme on disait, c'est le dernier épisode, il reste 19 ouais. minutes. Voilà, quoi. Là-bas, est-ce que c'était in... Ah, mais il est sorti. Ah, j'ai fini la guerre là-haut, moi. Où est-ce que je vais avoir des rebelles? Ah, Erzuzum. C'est où, Erzuzum? Ça me parle. Oui, c'est là-bas. Vas-y, traverse le monde à pied. Nouvelle technologie, bim. Ah, c'est vrai que les avancées technologiques, putain. En technologie, je suis à plus 180, moins 5, plus 180. Je suis légèrement en avance, quoi. Ah oui. À part les bateaux. J'ai un petit peu de retard à cause du colonialisme, mais bon. Que non, j'arriverai pas, attends, ça sert à rien d'y aller. Fin du siège de Kerak. Ah ben ça c'est une putain de nouvelle qu'elle en est bien. Bon, toi, rends les provinces à tout le monde. Ah ben oui. Fille de mon vassal, sois gentil. Et voilà. Ah, je suis con. Mais non. Bah si, je voulais unifier nos deux territoires. Ah. Grave. Pourquoi t'as rendu que ces trois territoires clodo? Je lui ai dit vas-y, rends tout ce que t'as. Bon, la Syrie est contente par contre. C'est tout ce que le jazz a en fait. Le jazz, putain. Maintenant il a le nord, il a Ouadjou et Akba, je crois, un truc comme ça. Non. Ouaj. Si, ou. Ah, c'est. Oui, c'est pas du. Oui, c'est du. Il a de la clé, mais il a... c'est pas du corps. C'est ça. Putain, la Syrie, il a à peine récupéré son territoire, il fait pop, pop, pop. Allez, perds pas de temps, on va convertir. Mais tu. Non, ta gueule, je convertis. Bon, d'accord. En même temps, c'est ses corps, là. Il n'y a pas besoin de décorer. Hein. Comment j'ai une mission. Oh putain, là, on missionne. Ils sont comme des sauvages, là-bas. Ah, le Syrien, il est content, là. Je peux te dire qu'il me kiffe. Hein. Et le truc, c'est que tout ce que j'ai défoncé, il n'y a même pas de. Réputation diplomatique plus 1. Hop. Ah, donc voilà, ce sera un beau petit truc. Ah si, je vais ramener mes troupes vers la Herzégovine et là-bas, donc les trois divisions. On envoie une là-bas. Une là-bas et une là-bas. Voilà. Et la quatrième, elle est où la quatrième? Couverture province, je suis à 60% déjà. Je continue, ça se passe bien. Elle est où ma quatrième armée? Ah bah elle est là, oui. Et on va l'envoyer là-bas. Et on va laisser faire le Hongrois. Oh le pauvre Hongrois. Oh le Polonais aussi, il a pris cher. Oh putain. Mais alors, tu vois, t'as quand même l'histoire dans le jeu, mais allez vous faire reculer, Gdansk. Ah non, c'est pas... Si, c'est Danzig. Ouais, c'est ça. Bah... T'as Gdansk, les Polonais disent que dalle, leur teutonique, je le garde. Bon, en même temps, aujourd'hui, c'est trop... on est sûr c'est Polonais aujourd'hui. Hein. Ah oui, là maintenant, depuis le temps. C'est-à-dire que entre 45, c'est... les Allemands, ils ont le choix entre la valise et le cercueil, alors. Comment les pieds noirs, quoi, en fait. Ah merde, j'ai une réponse de pâté. En même temps, 52 mois, ça va. Thank you.
Hop, développement de la bureaucratie royale. Perte de stabilité. Non, on va prendre de la puissance administrative. Putain, j'ai déjà converti à ce zoom. Pff, oh là là, vitesse de conversion. Hop, ça en fait là-bas. 16 mois quoi, c'est une province maintenant, c'est tellement bien. Mais j'avais rarement joué orthodoxe, mais putain, c'est vrai que c'est gros bill cette religion à la con. Tu convertis en mode hardcore à la vitesse de la lumière. Déjà d'une. Et ensuite, t'as des putains de bonus de stabilité, quoi. Et les icônes en plus sont vraiment pas dégueu, hein. J'en ai pas lancé là, mais par exemple, tu regardes le truc déjà. Modificateur coût de stabilité, moins 10%. Tolérance envers la seule vraie foi, plus 1. Déjà de base. Tu vois, en tolérance, je suis à 7,2. Donc t'es de ma religion. Je peux massacrer la moitié de la population. Tout le monde s'en bat les couilles, tout le monde y est content. Ensuite, Merde. avec le comment s'appelle? Avec l'autorité patriarcale, plus 2% de puissance du missionnaire, moins 3 d'agitation locale. Donc techniquement, une fois que t'as converti la province. La rebelle quoi? Connais pas, désolé. Vraiment en Si. fait que t'es une astuce de guerre de porc pour que ça éclate, hein. Voilà, et quand t'es l'Ottoman, t'es tellement puissant, c'est-à-dire que là je suis Erzurum, je suis à 0,7 en lassitude de enfin en agitation, mais pourquoi? Culture non acceptée, gouvernement provincial et le séparatisme plus 13. Et je suis qu'à 0,7 d'agitation. Le truc qui est déjà converti, c'est impressionnant quoi, c'est. Donc tu baisses autonomie, limite ça passe en mode à la cool. Donc je pense que ouais, je vais me préparer, je vais mettre sur la gueule de l'Herzégovine là. Bah c'est pour la Bosnie quoi. Il m'a bien aidé. Là hop. La Bosnie, c'est ton vassal ou ton allié? Bosnie c'est vassal, diplo vassal. J'ai Donc je bien. suis. J'ai du mal à faire la différence des fois entre les deux alors. Entre les deux quoi? Entre vassal et allié, je vois pas tellement de différence. Si, c'est un peu différent quand même. C'est vrai, l'allié, c'est un mouchoir. Si jamais il sert plus à rien, tu le jettes. Exactement, ouais. Hop. Hop, voilà, bon, donc là, l'Herzégovine, Hongrie s'il déclarer la guerre. Non, conquête, on va faire. Mais pourquoi j'ai pas le. Voilà, j'ai envoyé mes Quoi quatre ça? mecs. Et quatre armées. Et boum, on va péter les murs. Charge-moi ça, bousille-moi cette ville. Le balouche, on va raser son pays. Il va prendre me casser les pieds à venir chez moi. Balouche fait repartir en babouche. C'est un peu. C'est le planning, ouais. Ah, donc là c'est le Qatar et cette mer c'est Bahreïn, d'accord. Et là c'est la côte des pirates, putain, ça porte bien son nom, hein, la côte des pirates. Ah, tiens. Merde. Oh les balouches, t'inquiète pas, j'ai pillé la capitale. Putain, ça fait bizarre de voir les armées ennemies là, c'était clodo. S'il est, c'est où s'il est d'ailleurs? Faut que j'aille raser cette connerie. Ah bah c'est juste à côté. On va faire un tarif de groupe. La Hongrie, ils vont prendre putain de cher. Il va rendre toutes les provinces qui est beau. Non, ça appartient à la Croatie. Bon, il va me libérer. Je vais rechoper la Croatie. Et je vais libérer la Croatie. Alors tiens-toi, Banias, ça peut appartenir à l'Oman, c'est bon, hein, c'est foutu pour toi. Et une file de pognon. Et voilà, toute la péninsule arabique est à Bibi. Oh beau. C'est beau. Tiens que j'aurais un truc moi aussi sur le commerce. Ah bah ouais, je contrôle 25% du commerce en Crimée. Ah oui, il faudrait peut-être que je pense à construire des bâtiments, genre un marché par exemple.
Aïbassan, ça peut être une bonne idée. Ensuite, une production dans la que dalle. Écoute, Tribunal. sérieusement, c'est. Tu convertis assez vite quand t'as le bonus de plus 1,5 et ça coûte pas cher. Ah mais le moi c'est le comment il s'appelle l'orthodoxie putain c'est waouh Coran d'Allah, je te jure, c'est la misère. ah ouais bah tout ras de la Mecque voilà on a fini ça lui on l'envoie là lui on va l'envoyer là-bas. Oh putain, ça me fait triste pour le Hongrois de le voir entre guillemets que ce soit. C'est En pièces, triste. c'est ça? Ah ouais, mais en pièce de chez pièce, quoi, là, c'est honnêtement. Hongrois, je veux dire, donne-moi les provinces, ça c'est le croate, boum, t'es mon vassal, t'es orthodoxe. Ah mais non, je suis catholique, ta gueule, t'es orthodoxe, bon je suis orthodoxe. Il a plus rien, il a rien le pauvre, il est son pays, il est ses parents en deux. Bon bah c'est pas grave, hein. C'est pour son bien après tout, tu me diras. Qu'est-ce qu'il fout là-bas l'autre? Je suis en train de lui assiéger sa capitale, je lui siège toute sa province, il fait quoi? Il va me siéger Sinope. Moi, va me siéger Sinope, j'arrive. Change pas de main, je sens que ça vient. Ah, il y a une flotte. Il y a 13 navires à Rijeka, quoi. Dont un navire amiral. C'est vrai que j'ai pas fait de navire amiral. En fait, je défonce tout ce qui est autour de moi, mais j'ai pas de navire en naval, mais j'ai pas de navire amiral. Allez, on va dire qu'on va lancer. Non, j'ai pas envie de m'emmerder. On fait une galère avec 800 rameurs. La galère de l'espace. Du coup, on n'a pas tort. Entraînons les mains. Non, on se met pas de ça, on s'en fout. Bataille navale. Ok, donc on va prendre une galère. Canon de vaisseau amiral, on s'en fout. Fin du siège, ouais, on s'en branle en fait. Kielji. Kielji. Non, Kielji. Est-ce que t'as des claims là-dessus, Kielji? Ah ouais, t'as des claims là-dessus, s'il est. Donc, si là, je vais peut-être faire de toi mon vassal. Sylvie, Ah, c'est plus quoi le fin. champ en Slovénie là? Ouais. Donc, Ouais, s'il est. Tu es mon vassal. Et tu me donnes toutes tes thunes. Bon, tu veux pas pour l'instant, on en reparle dans quelques temps. Parce que je te chope en vassal. Tu vas faire la gueule parce que t'es mon vassal. Ouais, mais je veux pas, moi, j'ai un amour propre, j'ai une identité à moi. Tu comprends, c'est dégueulasse. Voilà, exactement. bon. Mai 43, je crois que ça va être le Mamelouk. On va l'achever, le pauvre machin. Il va pleurnicher. J'ai pas de triste pour lui en fait. Non. Rijeka, il a des clés. Bah, c'est lui, on va tout leur filer, quoi, l'autre. J'ai trois événements qui m'ont filé d'estable. Le score de guerre. Bon. Si, donne-moi toutes tes thunes, t'es mon vassal. Est-ce que je peux te convertir? Non? Bon, donne-moi des thunes alors. Voilà. Et quoi comme religion? T'es catholique? Bon, attends, si l'histoire, tu m'aimes vraiment pas jusqu'au bout, je t'explique. Si s'il est faut qu'on parle tu m'aimes pas mais en plus je t'explique non comment je convertis la religion imposer la religion j'aurais une opinion positive ouais putain diplomatie ah bah je suis déjà en train d'améliorer les relations. La Hongrie. Ah oui, la Hongrie, ben oui! Oui, il y a plein de provinces que je dois récupérer à la Hongrie, toute l'ancienne Moldavie. Oui, c'est vrai. Faut cette économie. La Hongrie, ben en fait, la Hongrie, le problème, c'est qu'il y a plein de trucs que je vais récupérer, quoi. Est-ce que je peux tout récupérer d'ailleurs? La Hongrie, je veux. Est-ce que tu peux... Non, 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 non.
Influence réduite de Fort Orthodox, comment ça? Influence réduite de Fort Orthodox, je t'en foutrais moi de l'influence réduite de Fort Orthodox. Ah merde, t'as pas assez de points. Ah putain, ça fait trop cher. Donc ça, ça. Non, parce qu'il me faut vraiment que je prenne ça là-bas. Bon, on va s'en occuper. Non, mais j'en reviens pas. Quand je vois ça, c'est dégueulasse. Là, t'as, qui... t'as le. Bah, t'as le. Comment il s'appelle l'autre là, le clodo là. Le Syrien qui est en train de courser le Hongrois dans les montagnes. Fais, je vais te défoncer. Et le Hongrois, viens, faut qu'on reparte. Je veux ça, ça, ça. Tu... L'autre, je. Putain, je lui demande des trucs, il veut pas. Je suis pas exigeant. En plus. Non. Tu es un bon maître, nous lui va. Bah ouais. Généreux et pieux. Juste que je retrouve son armée. Son armée, là, en train de traverser le monde entier. Pour dire, ah, je te contourne. Ah, je t'ai eu. C'est à quoi je répondrais, tocard. Hu, pandard. Bourse molle. Mmh. Ah, l'héritier est mort. C'est quoi? Non, mais c'est parti, ce Moldave, on va éviter. Alors, l'héritier qui a un 2-1-2, il va dégager. Donc. Le Hongrois. Ah, là, il accepte mon offre de paix. Voilà. Et maintenant. Ça, ça, moi. Non, ça, c'est. Si. Redonne ça à la Bosnie. T'es une. Et voilà. Voilà. Ouf, il y a du monde qui a rejoint la coalition contre moi là. Ouais. Non. Est-ce que la Hongrie. Mais c'est quoi cette coalition de l'espace là? Mais j'ai rien pris. Enfin, quasiment rien. Ouf. Bon ben. Eh mais. Regarde la coalition. Je vais le voir, ouais. J'ai la liste impressionnante. Bah, je comprends même pas pourquoi. Bah attends, il y avait... La Bosnie faisait partie du... Il y en avait un qui faisait partie du Saint-Empire ? Je crois, ouais. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il faut que je tienne une minute 47. Et je pense que même une coalition de l'espace, là, il prendrait cher. Ah ouais, j'ai dû choper comme un débile un pays du Saint-Empire, je pense. Mais non, la Hongrie n'en fait pas partie. Enfin, c'est où la Hongrie? On peut le voir où s'il fait partie du Saint-Empire déjà? Tu mets la carte du Saint-Empire, et si le pays est en vert ou coloré, c'est qu'il fait partie du Serge. Ah, c'est Scylla qui devait être au Saint-Empire. Ah oui, oui, Scylla, oui. Effectivement, Scylla, oui, effectivement, oui, ça c'est... Aïe. Après, je pourrais faire ma billette et rentrer dans le Saint-Empire. Bon, on n'a pas le temps. Ouf, de toute façon... On a pu rejoindre la coalition. Mais attention, regarde. Après, je te dirais, j'ai l'empereur qui est dans... J'ai l'empereur dans mes petits papiers. Ouais. Améliorer les relations avec l'empereur. L'empereur, en plus, je crois que tu regardes avec moi, c'est... Attends, où est-ce qu'on a là? 55 en confiance, 92 en faveur. Ouais, bon... Je vais pas trop t'emmerder, je pense. Voilà, techniquement... Montre que je vois la gueule de la coalition. Ouais, c'est le centre, quoi, qui fait la gueule. La France, y est pas. Après, quand tu vois ce qui reste, j'ai la Russie en allié, faut pas oublier. Oui, j'ai la Russie, je tais-toi, plus la Bohème, comment dire? Oui, disons que la menace est quand même réduite, hein. Ouais. Eh, on peut te défoncer si tu veux continuer à être méchant, toi, l'Ottoman. Qui dit? Les rebelles, ça va, légitimation. Ouais.
Et voilà, le Ding Ding de fin d'épisode, série, chaîne. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu. Ben pour ceux qui ont suivi jusqu'ici, ben moi je tiens à vous remercier pour ces, je sais pas, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ah ouais, ça commence à dater maintenant. Ouais, c'est ça. C'était avant que je sois avec Sylvie, c'est avant que... Oh putain, ça, bah c'était quand c'est... En fait, c'est pas dur. C'est Jerem, donc Jay, de Jay's Gaming, qui m'a fait... qui m'a lancé sur YouTube. Et en fait, le Jay, la dernière fois que j'étais... Là, je suis allé chez lui. Quand je suis allé chez lui la dernière fois, au mois de septembre, j'ai su que j'avais mon boulot où j'étais. Et la première fois que j'étais allé chez lui, je faisais mon entretien d'embauche pour mon boulot d'avant. Donc ça fait... ma boîte actuelle, ça fait 6 mois, 4... Ouais, ça fait 4 ans et demi. 4 ans et demi de vidéos YouTube. Donc voilà. La chaîne s'arrête là. Je vous remercie pour tout, pour les 30 qui ont suivi la, la vidéo. Donc merci à plus, et voilà, n'hésitez pas, toi, Sirikane, tu continues ta chaîne. Oui, je continue un petit peu. Hein. Donc, bah, il continue, alors après, je sais pas, peut-être qu'on fera comme on l'avait fait, en mode... non, ça me fait chier, en fait, je sais pas. Non, je pense que j'arrête, parce que ça me saoule. Ouais, je pense que McClintor, il va arrêter un bon moment, là, si c'est pas pour toujours, mais il va continuer voilà. Recul, tranquillement. Moi, je vais continuer, et sachez que, ben, je fais toujours des petites vidéos... Je fais surtout du narratif parce que c'est ce qui me plaît le plus. Oui, voilà, l'avantage du narratif, ça permet de, je pense, comme on disait, ou des parties comme ça, de, ben, parce que là, c'est énormément d'influence, quoi, d'influence. Non, t'as un homme d'influence qui la court, c'est énormément de contraintes. Faut être là, faut se mettre à l'heure, faut pas qu'il y ait de bruit. Quand mes filles sont là, faut pas qu'elles fassent de bruit. Faut que le micro soit réglé. Faut pas qu'on ouvre la fenêtre parce qu'il y a des bagnoles qui passent, mais ça fait du bruit, mais on a trop chaud. On peut pas mettre. Et c'est chiant, quoi, c'est trop de contraintes. Ouais. Voilà, là au moins on va pouvoir jouer pour le plaisir avec Sirikai, faire nos parties, utiliser des propos qui nous enverraient 20 fois en prison si on les mettait sur YouTube. Donc voilà. Donc sur ce les gens, bye bye, bonne continuation, protégez-vous, vous faites pas vacciner, votez pas Mélenchon, et voilà. Allez, à plus tout le monde, ciao bye. Au revoir, et à bientôt.